Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventini. C'est un numéro spécial, c'est une convocation euh, en de, de sommet, puisque grosse information, grosse décision, grosse nouveauté dans l'organisation de l'OGC, puisque ça y est, Julien Fournier est officiellement euh, débarqué de son poste, ou quitte officiellement son poste de directeur sportif, directeur du football. De l'OGC Nice, c'est officiel. Ça a été révélé hier soir tard par Nice Matin et c'est tombé il y a quelques minutes officiellement sur le, sur le site du club. Donc voilà, c'est désormais officiel de chez officiel. On va être obligé d'en parler là dans une petite demi-heure trois quarts d'heure qui euh, qui nous attend. On va un peu revenir sur le parcours de Julien Fournier à l'OGC Nice et évidemment sur l'impact que ça a sur le mercato là à court terme et sur l'organisation de l'OGC Nice. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric avec moi. Salut Cédric, comment tu vas? bonjour messieurs bah écoute ça va ça va très bien ça va très bien on, on va un peu parler de tout ça on attendait on, on attendait des, euh, attend des recrues on attend des recrues mais finalement c'est toujours encore euh, c'est <laughs> toujours cet organigramme qui se met en place donc euh, bon, on va pouvoir un peu euh, débattre de tout ça vous arrivez aussi avec euh, voilà, un consultant anglais on y reviendra en deuxième partie de l'émission c'est sa, dans... dans... sa première dans le format podcast on accueille Pancho, salut Pancho, comment tu vas Salut Sky, salut Bada, écoute, euh, écoute, ça va très bien. Je suis ravi de pouvoir euh, euh, discuter de, cette, euh, de ce départ et puis de, de la situation actuelle euh, du club. Euh, donc euh, voilà hâte hâte dans, dans d'en découdre voilà Pancho, vous connaissez hein, en, avec ses directs sur twitch euh, avec le, le club Pancho, on avait également fait un live twitch ensemble avec euh, avec euh, guillaume club nissa il y a quelques semaines et puis bon de toute façon euh, si jamais vous écoutez ce podcast parmi les premiers euh, ce soir à 21h on est en direct pour notre deuxième partie de, de nissa manager comme éventuellement enfin euh, comme euh, initialement convenu si vous l'écoutez en replay euh, demain matin et ben vous avez aussi le replay sur la chaîne YouTube de Pancho et la nôtre à retrouver euh, sans tarder. Mais avant de parler du Mercato, parlons un peu euh, bah, de l'actualité du, euh, du moment. On va peut-être balayer quand même les quelques rumeurs euh, qu'il y a eu ces, ces derniers jours, même si comme l'a rappelé Cédric, très justement toujours pas d'arrivée. Il est quand même en train de se griffer le visage, le garçon. Donc il faudrait rapidement qu'on sauve le soldat, euh, soldat Bada. Euh, messieurs, un point rapide. Euh, Manor Solomon à ce pas officiel, mais ça ne saurait tarder. Ça le sera peut-être d'ici la publication de l'émission. Le joueur est à, est à Londres, il est d'accord. C'est la formule d'un prêt gratuit qui suspend son contrat en vertu des, des lois FIFA dans le cadre du du conflit russe et ukrainien. Donc voilà, malgré l'offre sonnante et trébuchante de l'OGC Nice qui allait proposer jusqu'à 10 millions d'euros, ben le joueur a préféré comme initialement prévu, là encore, jouer en, en Première Ligue. C'était son souhait. Le Nice a plus ou moins tout tenté, donc je pense qu'on peut peut-être regretter le, de ne pas avoir su le convaincre, mais en l'occurrence, voilà, c'était le, le plan de base qu'il allait joué en Angleterre. Un mot peut-être là-dessus, je ne sais pas, Pancho, par exemple, qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter précédemment, mais c'est dommage pour toi de, de ne pas arriver à, à séduire un joueur euh, par rapport, certes, à la Première Ligue, mais bon, c'est Fulham, c'est un promu qui a toutes les chances de de faire partie de la charrette la saison prochaine. Donc Nice, ce n'est pas, euh, pas plus attractif que ça J'avais le sentiment quand même que les, que les dés étaient, étaient jetés d'avance hein, par rapport à cette situation-là. Il a fait part de son, de son envie de, de rejoindre l'Angleterre. Après, forcément, tu te poses la question euh, de savoir si sportivement, euh, Fulham, c'est fiable. Ça fait l'ascenseur euh, chaque année entre la Championship et, euh, et la PL. Maintenant... Euh... Euh, la question euh, se pose pas enfin, euh, c'est très compliqué de rivaliser avec, euh, avec la première ligue on le sait euh, après c'est aussi un souhait du joueur comme tu l'as rappelé euh, à l'instant maintenant voilà next euh, il va signer à Feulam maintenant qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est qu part sur d'autres joueurs il ne faut, il faut pas être, euh, être amorphe et il faut aller, il faut aller de l'avant ce n'est pas, pas grave il euh, faut pas tout remettre en cause mais maintenant il faut signer des joueurs Cédric un problème d'attractivité ou pas selon toi un problème d'attractivité je sais pas parce que comme l'a bien dit Pancho euh, parce du moment où le joueur a, a un choix précis en tête tout ça c'est surtout, surtout ce choix là euh, qu'on peut peut-être remettre en cause parce que le mec, euh, le mec préfère quand même aller chez un promu en première ligue malgré, euh, malgré le fait que ce qu'on a lu à droite à gauche c'est que l'offre de Nice était probablement supérieure en, en transfert et en salaire. Euh, mais au final, euh, ils préfèrent aller, aller voilà, potentiellement se noyer dans un club qui va peut-être jouer la, le maintien euh, en première ligue plutôt que potentiellement jouer l'Europe à Nice. C'est compliqué d'en vouloir à, au gym parce que je pense qu'on a quand même tout tenté, mis à part peut-être un, un timing qui a été un peu tardif où on, on s'est réveillé peut-être un peu tard. Mais, euh, mais voilà, après, ça, c'est les, les choix des joueurs. Ils, je ne vais pas dire qu'il faut respecter, mais, euh, mais il faut essayer de, de se dire que, voilà, il, co comme l'a dit encore une fois Pancho, il faut passer à autre chose. Maintenant, il, il a fait son choix, mais accélérons sur quelqu'un d'autre maintenant. Et eh ben justement, l'autre dossier brûlant du moment, c'est Yann Sommer, le gardien suisse du, du Borussia Mönchengladbach. On en a déjà parlé. Il y a un accord, soi-disant, euh, oral, en tout cas contractuel, sur les termes personnels avec, euh, avec le joueur suisse. Pas d'accord encore avec Motion Bar puisque, bah, d'après euh, d'après la, la presse allemande, l'OGC n'aurait en fait même pas encore envoyé d'offres alors que bon, l'accord la, avec le joueur date quand même d'il y, y a une semaine, selon ces mêmes sources. Donc une, une inertie un peu étrange, surtout qu'on apprend euh, aujourd'hui dans, dans la presse allemande, toujours dans Bild, plus exactement, que le Borussia glad serait même prêt en fait à, à prendre le risque de de garder. Yann Sommer, et qui euh, partent libres en fin de contrat en juin 2023, si celui-ci ne souhaitait pas prolonger, plutôt que de le vendre euh, au mercato. Bon, On sait que Nice Matin est un peu plus confiant sur la sur la piste et pense qu'entre 3 et 5 millions d'euros, ce, ce, cela pourrait se faire. Je sais qu'on n'est pas nécessairement d'accord, on en parlait en off ce matin, Cédric, là-dessus, mais euh, là, du coup, fin, le journaliste part sur une piste qui, je pense, on, on valide tous et toutes, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là, mais... Qui a peut-être peu de chance de se résoudre aussi dans les, dans les prochains jours avec un club qui tient à garder son, son joueur et un joueur qui n'est peut-être pas prêt à aller au clash, en tout cas qui était à, la reprise, à sa reprise d'entraînement ce matin en Allemagne. Oui, de toute façon, je pense pas qu'il ira, qu ira au clash avec son club ni quoi que ce soit. Après, voilà, ça reste aussi le, le jeu du mercato, hein, un peu du, du poker menteur, tout ça, des, des coups de pression. Je pense que Gladbach, euh, mis à part des clubs comme on disait ce matin en off, euh, à part des clubs comme Paris ou City ou le Real, euh, qui peut se permettre de refuser euh, de l'argent pour un joueur qui a un an du terme de son contrat, je ne suis pas sûr que Gladbach euh, peut cracher sur 5 millions d'euros, surtout pour un joueur qui a toujours été réglo, qui est là-bas depuis, euh, depuis 7 ou 8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, je pense aussi que c'est un peu un moyen de dire à l'OGC nice, vous le voulez, euh, venez le chercher, mais euh, commencez à accélérer, quoi. Parce que nous, on a peut-être un remplaçant à trouver. Et... C'est toujours, toujours un peu ce, ce, ces, mêmes, ces mêmes réponses qui, où, où on revient dessus, j'ai l'impression, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais, il y a un peu un, une impression de, de, de lenteur dans les dossiers, de, de, de réaction un peu tardive. Je ne sais pas si c'est vraiment juste un ressenti et peut-être que on n'a pas tous les tenants, et les aboutissants, donc peut-être que ça bosse vraiment, vraiment d'arrache-pied, mais... Mais j'ai quand même l'impression qu'on on est assez tardif pour l'instant encore, euh, encore sur, euh, sur les dossiers qui, qui semblent prioritaires. Parce que vu, voilà, vu que c'est des joueurs oui, as que, que ont perdu quand même obligé de le, de le remplacer effectivement. Ben, c'est ça, c'est ça. Voilà. En plus c'est des joueurs que Favre connaît, que Favre veut j'imagine. Donc euh, je ne voilà, je, je comprends pas un peu ce, ce temps de réaction qu'on qu est en train de mettre pour, pour, finaliser, pour finaliser les dossiers qui semblent prioritaires. Assez oh. d'accord avec, euh, avec l'avis de Cédric. Mm -hmm. euh, je pense que euh, effectivement Glagbar euh, est arrivé une, à, une, à un moment où, euh, où il faut aussi qu'ils aillent de l'avant euh, également et qu'ils se positionnent par rapport, par rapport à Sommer. Là, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'il y a un accord oral, donc le joueur est OK pour, pour venir à Nice, euh, OK pour, pour jouer à la Coupe d'Europe, et euh, financièrement apparemment il s'y retrouver en signant chez nous. Maintenant, il faut il faut accélérer. Euh, le joueur est d'accord. Maintenant, il faut une proposition. Je pense que ça reste du bluff et que le dossier quand même paraît euh, paraît mieux engagé que, que d'autres. Euh, maintenant, euh, seules les officialisations euh, parleront. Hein. Et là, pour l'instant, on n'a rien. Oui, sachant que on sait que nous, on a longuement avancé sur la piste Steve Mandanda, un dossier mené par par Julien Fournier, qui s'est fait euh, quand même voilà cancel assez rapidement avec sa perte de sa perte d'influence également. Là, on sait que Mandanda est attendu à Rennes. Il y est, même ça devrait euh, s'officialiser aussi pendant qu'on enregistre cette, cette émission. On a plus ou moins de champs libre sur Yann Sommer. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être raison que ça, ça dépend essentiellement aussi de, du remplaçant que pourra trouver euh, Motin Gladbach euh, et puis de, de la somme qui est prête à mettre euh, le GC Nice pour euh, s'attacher les services du gardien international suisse, bourreau de l'équipe de France. On le rappelle lors du, euh, lors du dernier, euh, dernier Euro. Quelques noms après aussi en. En, en, en vrac, hein, puisqu'on a, on a eu quelques informations également euh, ce matin, et c'était sur, plutôt sur le, du côté de la défense, notamment des, des postes de, de latéraux. Il y a Kevin Mbabou pour rester sur l'équipe internationale suisse, qui est latéral droit à, à Wolfsburg, du coup, qui serait suivi par euh, l'OGCNIS nice et FELAM, encore une fois, euh, d'après euh, la presse française. Ça serait voilà, un deal autour de quelques millions d'euros, moins de 10 millions d'euros, euh, si jamais ça venait à se, à se concrétiser. Le joueur, euh, voilà, lui, il y a déjà 27 ans, ce serait quand même un profil expérimenté, même si je pense qu'on peut s'interroger sur euh, voilà, cette, euh, cet empilement de, de, de latéraux à droite, tant que Youssef Attal et Jordan Lotomba, quoi qu'on en pense, font partie de l'effectif, c'est quand même peut-être assez compliqué de se dire que tu vas ajouter un troisième, euh, troisième latéral après. Est-ce qu'en faisant venir le concurrent en équipe nationale de Jordan Lotomba, tu lui signifie pas aussi euh, quand même qu'il qu serait temps qu'il aille voir ailleurs Je ne je sais pas, mais je suis, assez, euh, voilà, je suis assez perplexe sur cette quête. D'un latéral droit, tant que tu n'as pas, euh, pas fait le ménage, après peut-être qu'en coulisses, c'est prévu de se séparer de l'un des deux, mais ce n'est pas, pas nécessairement les informations que nous donnait Romain, notamment euh, lors d'un pressant podcast Cédric. Ouais, c'est ça, c'est ça. On... Bah, après, c'est toujours pareil. Nous, on a... enfin, moi, je pense que vous connaissez mon avis, notamment sur le cas de Youssef Attal où, où je pense qu'il qu faut, euh, si, si offre il y a, il faut s'en séparer, je pense, et, et effectivement recruter quelqu'un à droite et garder, euh, garder Jordan Le Tombeau en doublure. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit pour l'instant, euh, le cas euh, et la vie de, du club. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est bizarre. Euh, on, entend, on entend, pas mal un peu de rumeurs sur un poste de latéral droit. Alors est-ce que Lautomba va dépanner à gauche, ce qu'on, qu n'aimerait pas, hein, je pense. Mais, euh, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On, on entend beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses. Encore une fois, je vais me répéter, mais ça serait bien qu'on qu commence à y, voir, à y voir un peu plus clair dans tout ça. Même, même au niveau des, des départs, on va dire, des départs de, entre guillemets, de gros joueurs, de, de belles ventes, pour l'instant, on n'entend absolument rien. Donc, est-ce que l'effectif va très peu bouger et, et on va juste peaufiner comme ça Je ne je, je sais pas trop. L'avantage de l'Automba, c'est sa polyvalence, comme, comme tu disais, Cédric, et c'est peut-être ce critère-là qui va faire qu'il va rester à Nice. Euh, à la différence d'Atal, euh, qui euh, quand il est à 100%, euh, euh, quand il est concerné, peut être, peut être absolument fantastique, on l'a vu. Euh, maintenant, euh, il faut les arriver, c'est sûr, il faut améliorer l'équipe, mais il y a des joueurs à, il y a des joueurs à, à vendre. Euh, quest ce que ce n'est pas justement peut-être le, peut le trop-plein de l'effectif en ce moment, en tout cas l'avenir en question de certains joueurs qui bloquent aussi des. Les, les arrivées, parce que est-ce que tu peux vraiment ôter deux ailiers tant que tu as encore Alexis trouillé euh, Lucas dacunha Alexis Claude Maurice, qui en fait sont toujours là et sans que leur destin soit soit ouais, C'est pas, pas des titulaires, c'est pas des titulaires. Non, ça, mais en même temps, est-ce est, que est... tu peux te permettre d'avoir de refaire un loft de 3-4 joueurs tant que eux leur avenir n'est pas euh, n'est pas, pas décidé. Autant pour le gardien, effectivement, tu as Walter Benitez qui est parti, donc ne serait-ce que numériquement, tu peux faire facilement le facilement le, le remplacement, mais après à droite où tu as déjà deux joueurs, est-ce que si jamais euh, il décide de rester, tu peux te permettre de passer une saison avec trois latéraux Est-ce que du coup si tu décides que l'Otomba va jouer à gauche, est-ce que ça te bloque pas l'arrivée de quelqu'un à gauche ou enfin ah oui, est-ce que bien tant sûr, que tu pas résolu bien. certains certaines situations à des postes clés comme ça, est-ce que le club attend pas aussi de, de savoir ce que Fabre veut faire de de certains joueurs avant de s'engager sur d'autres dossiers En plus du problème d'organigramme que que c'est l'idée ouais. qui je pense est le fil conducteur de toute façon de tous ces, de tous ces problèmes. Non mais je, je pense que là, euh, excuse Pancho je, je pense que là, Favre a, a dû quand même commencer à, à avoir, même si on a, on a dû annuler le premier match amical, tout ça, donc il n'a pas vraiment encore vu certains joueurs euh, à l'œuvre dans une confrontation, mais, mais je pense quand même malgré tout que maintenant, après, après un peu plus d'une semaine de, de reprise, il doit quand même savoir sur les joueurs euh, sur lesquels il compte. Donc, euh, donc je pense quand même qu'on a, on a plus ou moins une idée de qui, qui va partir, qui doit rester, tout ça. Et pour te répondre concernant euh, le blocage de certains, je pense quand même que des joueurs comme Dakouya, euh, Trouillet, tout ça, quoi qu'il arrive, ces mecs-là euh, partiront après un moment donné, même si c'est pendant le courant du mois d'août, leurs salaires doivent être euh, doivent être euh, infimes. Donc euh, voilà, c'est malheureux aussi pour eux parce que peut-être qu'ils sont de leur cas personnel un peu bloqués. Mais euh, mais je ne pense pas que ça c'est ces joueurs qui doivent bloquer l'arrivée de, de certains élys notamment. J'espère pas que la situation de, de, des joueurs euh, que vous avez mentionnés euh, bloque les arrivées. Si c'est le cas, c'est <laughs> <'est> compliqué. <laughs> c'est compliqué. Et euh, voilà, on va juste dire que c'est compliqué. Euh, je ne pense pas et je le souhaite pas parce qu'on euh, a besoin d'améliorer euh, l'effectif sur certains, euh, certains postes. On le sait. Favre a un style de jeu bien particulier. Il y a des joueurs qui sont dans l'effectif actuellement qui, euh, qui vont partir. Euh, maintenant, euh, euh, au plus tôt les joueurs arrivent, au plus tôt ils prennent connaissance du groupe, au plus tôt la cohésion se forme, et tu te mets le plus de chances possible pour réaliser une grande saison. Enfin, moi je le vois un peu comme ça. Euh, on a eu le cas effectivement de Belanda et Balotelli qui sont arrivés au dernier moment. Euh, c'est parce que c'est. Enfin. Les noms ont fait que euh, la saison a fait que ça s'est super bien goupillé, mais je pense que Favre, l'idéal pour lui, ce serait d'avoir ses joueurs le plus rapidement possible et, euh, et avoir euh, son effectif pour, pour les matchs de préparation et notamment pour le stage euh, dans lequel on part quand même la semaine prochaine. Donc de euh, toute façon, il euh... l'a dit, hein, il l'a il il a mis de suite tout le monde d'accord en disant que, euh, en citant Wenger, que le mercato était capital. Tu sens qu'il a pas fait bon, dans la dentelle, euh... <laughs> n'est-ce pas <laughs> Oui, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais il, a, il a clairement dit que voilà, le Mercato, c'était un moment capital. Euh, voilà, je pense qu'il ne tourne pas autour du pot. Il lui faut des joueurs, il faut une équipe compétitive rapidement. Là, là en, en l'état, tu peux faire un 11 correct. Hein, on ne va pas dire qu'on a une équipe non plus euh, complètement en, en pagaille. Mais, euh, mais ton groupe pour travailler comme ça euh, pendant une présaison, pour... Euh, pour bien bien travailler, pour l'instant, qualitativement et, quant et quantitativement, il est, il est pour moi trop faible. Et puis avec des échéances importantes qui arrivent très vite hein, au mois d'août entre le, la double confrontation européenne en, en barrage de Conférence League, euh, le match face à Marseille, donc il faudra quand même aussi commencer assez rapidement la, la saison qui va s'interrompre euh, vite aussi euh, au mois de novembre avec la, la Coupe du Monde. Donc c'est des joueurs qui arrivent le 31 août, en fait. Euh, ils, ont, ils ont deux mois pour s'adapter avant la... Avoir une première trêve, s'ils ne partent pas à la Coupe du Monde en plus, donc ça serait bien d'en profiter euh, rapidement et éventuellement que certains hein, nous rejoignent d'ici le stage, euh, le stage à Faro la semaine prochaine pour être tout à fait complet. On va aussi citer le nom de Pervis, euh, Pervis Estupinian, l'international euh, équatorien de 24 ans qui joue à Villarreal, 40 matchs la saison, euh, la saison dernière avec le. Avec le sous-marin jeune, euh, en fin de contrat en 2027, puisqu'il avait signé euh, 7 ans en, en 2020 pour le pour le club espagnol, estimé à près de 20 millions d'euros, c'est euh, Foot Mercato, je crois, qui nous partage cette information-là. L'Olympique Lyonnais serait également sur le dossier. Euh, bon, au-delà de, de votre connaissance personnelle de ce de, de ce joueur, c'est déjà peut-être une piste qui euh, un peu plus euh, rassurante que, enfin, qui témoigne de certaines ambitions de de que ce soit euh, financièrement ou même Aller débaucher un titulaire à, à Villarreal, bon, il y a des mauvais joueurs dans tous les clubs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sur le papier euh, déjà témoigne d'une ambition un peu plus en rapport avec le, le discours qu'on a entendu ces, ces derniers jours de la part d'Ineos, de Lucien Favre et de Jean-Pierre River. Alors, je j'ai pas forcément le recul nécessaire, hormis les quelques matchs en, en Ligue des Champions qu'on a pu voir cette année de Villarreal, mais c'est très fort. C'est techniquement euh, volume de jeu. Euh, euh, C'est un, un latéral gauche complet, petit gabarit. Il euh, y a Club Nissa qui, avait publié une, qui a publié une petite, une petite, vidéo ce matin. Euh, il m'a fait un peu penser à, à Marcelo à ses débuts euh, au Real. Euh, donc euh, dans le profil, euh, moi je, 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 valide, je valide la piste. Ce serait, ce serait top. Après bon voilà, 20 millions d'euros, euh, fin de contrat en 2027, ça va coûter de l'argent. Euh, mais au fond de moi, je, je souhaite fortement un Raphaël Guerrero <laughs> a un pour, une, de... pour, une, pour une somme similaire en plus, hein, du pour coup, une somme que, similaire et que connaît Lucien Favre, exactement, il passe et... Et il qui connaît le championnat qui... Qui... En plus. Ouais. et qui est et qui est francophone et qui connaît le championnat et qui est polyvalent aussi, qui peut dépanner au milieu de terrain. Donc, euh, un petit trisme pour Nissan nice Manager ce soir. Non on ah, mais pendant... <laughs> ça, ça va être, je pense, le premier, le premier joueur que je vais placer, c'est évident. Ouais, ça sera les premières négociations qu'on lancera sur notre save sur notre de football Et Manager. Ça ne passera absolument pas. Ça, on, on... on verra, on verra. Écoute, faut il croire, faut croire en notre bonne étoile pour, pour ce soir. Alors, on, va en avoir, on va en avoir besoin. Euh, bon, écoutez, voilà. C'était un peu histoire de faire un point, Mercato, histoire d'être tout à fait euh, complet. On essaie de pas trop s'étendre euh, là-dessus puisque c'est pas non plus le sujet de l'émission et que n'y a pas d'officialisation euh, non plus à vous, euh, à vous communiquer. Je pense que ça risque de bouger quand même rapidement dans les prochains jours. Et naturellement, si recrue officielle IDA, on fera un numéro spécial avec un invité qui sera capable de vous présenter le joueur comme on vous les a proposé, euh, sur les, les, dernières, les dernières saisons. Messieurs, le gros morceau aujourd'hui et ce pourquoi on a euh, ben, un convoqué cette émission euh, qui n'était absolument pas programmée, et je vous remercie pour votre disponibilité, c'est le départ officiel de notre directeur sportif, directeur général, directeur du football, directeur d'un peu tout, euh, Julien, euh, Julien Fournier, du coup c'est officiel, le club a communiqué là-dessus, c'était murmuré depuis la semaine dernière notamment par la presse italienne, on s'y attendait pas forcément vu qu'il y a encore quelques jours, euh, en interview il assurait qu'il serait là jusqu'en septembre, Jean-Pierre River. Également, il devait faire le mercato cet été, mais visiblement, euh, ça s'est euh, rapidement dégradé entre euh, toutes, les, toutes les parties euh, pendant ces dernières, euh, ces dernières semaines pour pousser Julien Fournier à décider de partir euh, bah, du coup, de façon anticipée. Euh, je vous propose euh, voilà, d'abord de me de donner votre sentiment là, comme ça, un peu à chaud sur, sur cette annonce et puis après. On reviendra un peu sur les dix dernières années de, de Julien Fournier le GC Nice, ce qu'il a pu apporter à ce club parce qu'il a, a apporté beaucoup de choses positives à ce club, les points sur lesquels on était éventuellement le, le moins d'accord et puis terminer bien sûr sur l'impact qu'un tel départ a aujourd'hui sur le quotidien du club et avec un peu voilà les, les bruits qu'on a pu avoir sur comment on s'est vécu en, en interne et je vous préviens, je fais un petit teasing de catin pour vous garder en haleine jusqu'au bout, c'est pas joli, joli. Bref, Pancho, euh, ça tombe un peu là comme ça, euh, comme un coup près. Euh, on, on savait que l'histoire allait se terminer, pas forcément bien, mais là, elle se termine de façon euh, expéditive au final et inattendue. Ouais, c'était prévu. Euh, on le savait. Euh, River nous avait dit que, euh, voilà, il, il ferait le mercato estival et partirait en septembre. C'était ce qui était, ce qui était annoncé. On n'est pas vraiment. Étonné, c'est un peu malgré tout brusque la manière de faire. Euh, voilà, euh, bon, euh, énormément de respect pour euh, pour le personnage, pour ce qu'il a apporté à l'OGC Nice. Euh, dans le communiqué, euh, il, il y a une phrase qu'il avait sorti en 2011 où il voulait voilà faire euh, de Nice un club qui compte. Aujourd'hui, dix ans après, je pense que en plus avec le rachat d'Inos, on peut dire qu'il a qu'il a rempli sa mission. Il y a eu des choses qu'il a bien fait, très bien fait, des choses qu'il a un peu moins bien fait aussi, euh, comme le lot de nombreux dirigeants lorsqu'ils restent assez longtemps dans le club. Voilà, il y, y a des casseroles. Euh, moi j'ai noté voilà, enfin euh, il y a eu quand même quelques coups. Euh, les gars quand, quand on y pense, euh, il a eu le, le, nez, euh, le nez creux sur, euh, sur certains joueurs. Euh, et j'ai le sentiment, comme on s'était dit lors du live avec, euh, avec Guillaume en mai, que le virage Ineos il ne l'a pas pris mmh. en fait. C'est que la spéciale Fournier qui nous était bien utile quand on était à un club qui devait compter ses sous. Hein, on rappelle aussi que quand euh, la, en 2012 on est quasiment interdit de recrutement à titre euh, à titre onéreux. Au final, je crois qu'on fait euh, ouais, 400 000 euros sur. Euh, sur Zvitanic, on récupère pied en échange avec Monzon et finalement, tout le reste, c'est des, des fins de contrat, tout ça. Donc, il a réussi à faire de, de la magie avec très, très peu de choses, et ça, on ne peut pas, pas l'oublier. Et combien de clubs, et combien de clubs avec un palmarès, une identité aussi forte, voire plus forte que la nôtre, ces 12 dernières années-là, ont on, on calé à l'échelon inférieur ou ont disparu il nous a un peu prémunis de ça alors qu'on flirtait avec la zone rouge pendant, pendant des années, avec l'aide de son, de son tandem magique Jean-Pierre River, évidemment. Mais je fais bien de rappeler ces quelques coups. On peut penser voilà, à Dalbert, à Alassane Pléa. enfin Il y en a, il y en a plein. Patrick voilà, Eric Botteaque, Valentin Séric enfin, tu... enfin, voilà. Entre autres. Ouais, des joueurs qui nous ont apporté beaucoup plus que leur valeur marchande à la, à la base quand on les a fait euh, venir. Cédric, toi, euh, bon, on va pas se mentir. On, on joue un peu l'apaisement, mais euh, le départ de Julien Fournier, on l'attendait. On est quand même content que ça arrive. Euh, là, on voilà, on, on peut pas non plus être totalement ingrat et euh, injuste avec euh, ce qu'il a apporté au club. Après, voilà, quel est-toi ton sentiment aujourd'hui Est-ce que euh, enfin, c'est une libération Est-ce que encore, ça ne se fait pas dans le, dans le bon timing jusqu'au bout euh, Ça aurait été à contre-temps Est-ce que euh, on va gagner au change Quelle enfin, voilà, quel est euh, ton, ta première impression En tout cas, maintenant que ça y est, c'est décidé, c'est officiel. Bah, les premières impressions, déjà, forcément, euh, je, vais, je vais rejoindre ce que vous avez dit. Hein, forcément, du, du, du respect pour le monsieur. Euh, parce que, euh, entre lui et, et River, euh, sans eux, je ne sais pas où on, où on en serait aujourd'hui, sûrement. Euh, où le club en serait, du moins. Donc, euh, donc évidemment, voilà on, on peut que le remercier pour son travail effectué à Nice, malgré, malgré comme, comme vous l'avez dit encore une fois, les, les hauts, les bas, et, et tout, toutes les critiques et, et les éloges qu'il a pu avoir aussi. Mais euh, maintenant, voilà, maintenant. Euh, le, le, il y a aussi une réaction, c'est le fait que, que, encore une fois, tu as l'impression qu'il que, qu n'y a pas vraiment de commandant de bord euh, dans ce club sur, sur ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'on nous dit quand même quelque chose, que, que Fournier va gérer un petit peu le mercato, qui va partir en septembre. Lui-même le dit, River le dit, enfin euh, tout le monde le dit. Et au final, début juillet, euh, début juillet, tout fout le camp, euh, il s'en va, tu as l'impression que comme on l'avait dit dans l'émission dans de reprise avec Romain, euh, moi je disais que je comprenais pas comment c'était possible qu'il qu gère le Mercato tout en ayant en, en sachant qu'il qu allait partir deux mois après, donc euh, voilà, c'est au final c'est ce qui s'est passé, hein. euh, je pense qu'il était là comme euh, à, devant la machine à café et puis il s'est dit il y en a un peu marre, donc euh, <laughs> libérez-moi quoi Mais, euh, mais voilà, moi c'est surtout le fait que j'ai pas l'impression qu'il y, qu y ait beaucoup de, de, de fil conducteurs actuellement à Nice. J'espère que qu'avec ce nouvel organigramme qui est encore en train de se dessiner, euh, on est le, le 6 juillet et c'est toujours en train de se dessiner. J'aimerais bien que... J'aimerais bien que, que ce soit tout aplani. et et qu'on en sache un peu plus, parce que là j'ai l'impression que chaque semaine ça repousse encore les échéances d'arrivée, de, 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 de finalisation de dossier. C'est un peu ce que je te disais quand je dis, est-ce que le timing n'est pas encore mauvais Est-ce qu'en fait, du moment que tu as décidé qu'il qu partait, soit euh, il fallait qu'il parte tout de suite, ce qui était un, un argument qui était opposé à ce moment-là et que je peux entendre, soit euh, tout le monde devait mettre de l'eau dans son vin pour que ça tienne jusqu'au jusqu mois de septembre, mais là en fait... Tu as essayé de faire un effort et de faire un, un peu l'union sacrée il y a dix jours pour que ça explose tout de suite. T'as l'impression qu'il y a encore Exactement. quelque chose qui, qui, a été, qui a été raté en fait. C'était soit fallait trancher dans le vif, soit mettre quelque chose à une organisation à plat avec des rôles bien répartis. Et visiblement, bon, soit il y a eu tromperie sur la marchandise, ce qui est toujours possible, soit euh, l'accord euh, n'a pas duré très très longtemps. Bon, après je peux comprendre que Julien Fournier, si on lui arrête toutes ses pistes en lui disant euh, non non c'est de la merde, vas-y reste dans ton coin, euh, nous euh, laisse, les, laisse les grandes personnes faire. Je peux comprendre qu'il est mal pris et qu'il n'ait qu pas envie de passer les deux prochains mois euh, dans son bureau à profiter de la clim. Mais moi je trouve non, que c'est bizarre ça. que ça explose dix jours après qu'on est tenté de nous faire croire que vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il fallait au bah, moins oui, fallait se séparer avant à ce moment-là. Ben bah, oui, c'est ça, c'est ça. On sait, on sait toutes les euh, scissions qu'il y a eu avec Galtier tout ça. Donc euh, euh, on, on parlait aussi tout à l'heure euh, des, euh, des interviews interpo interposées, notamment de, de celle de la sortie de Fournier dans Nice Matin qui était, euh, qui était assez violente, tout ça. Euh, C'est toujours pareil, je reviens au même point, mais on a l'impression que vraiment on y va un peu à tâtons, quoi. on ne sait pas vraiment euh, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on décide quelque chose donc, concernant Fournier, et puis au final 10-15 jours après, il se passe totalement l'opposé, on, on décide de tout arrêter, de, 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 on va parler après du, du, futur, euh, du futur conseiller, euh, pseudo-conseiller qui va arriver pour aider, euh, pour aider un peu tout le monde au mercato. Mais vraiment, on a l'impression que, que pour l'instant, on tâtonne encore et que, et que rien n'est rien sûr sur, sur absolument rien. C'est ça qui est, qui est un peu inquiétant. C'est compliqué de remplacer euh, Fournier par rapport au, à la marge de manœuvre qu'il avait au sein du club. Euh, il a centralisé beaucoup de, beaucoup de choses toutes ces années. Euh, il a fait des choses, comme on l'a dit, bien et des choses un peu moins bien. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ben, voilà, il, il, beaucoup de choses passaient par lui et que, peu importe sa compétence, finalement, le remplacer, c'est pas évident. Donc, euh, bon. Mais je... est-ce est qu'on n'a pas trop, est-ce qu'on n'a pas vu aussi euh, entre guillemets trop beau? Euh... Le, parce que ce que tu dis c'est totalement vrai. Hein. On, on a vu ces derniers temps euh, Fournier qui était, euh, qui était sûrement l'homme à tout faire de l'OGC Nice et River euh, qui lui était euh, était complètement mis au second plan. Là aujourd'hui euh, River est, est revenu complètement euh, complètement au premier plan. Euh. Alors est-ce que lui aussi se voit pas Je vais pas dire trop beau mais. Se, se, sent, se sent pas capable de faire ce que faisait Fournier et au final ils sont en train de se rendre compte que ce que faisait Fournier c'était quand même un métier quoi au final c'est chacun son métier euh, parce que je vais revenir rapidement sur, sur, sur les quelques pistes qu'on entend mmh. là euh, mais tu, tu fais le tour des pistes t'as l'impression que c'est soit des joueurs qui sont déjà passés par le GC Nice, soit c'est des Suisses euh, que, ou des joueurs que Favre connaît quoi mmh. euh, voilà tu t as compris t as compris rapidement euh, qui c'est sait, qui, qui, sait qui a fait la liste des joueurs euh, potentiellement intéressants pour Nice en fait je, je sais pas ou comment la cellule fonctionne Est-ce que les joueurs euh, ne conviennent pas Est-ce que tout simplement ils, ils ne savent pas gérer avec les agents je, Ça, je sais pas. Hein, c'est pas euh, au final c'est, euh, si mais... c'est euh, fin, hypothétique. Naturellement, on n'est pas au milieu de, du club, on n'est pas au milieu des négociations. Mais si c'est Julien Fournier qui avait, voilà, qui mettait les mains dans le cambouis, qui rencontrait les agents, qui allait aux négociations, et en fait, tout d'un coup, il laisse son, ce, ce fauteuil-là. On sait que par le passé, Jean-Pierre Hiver a pu euh, parfois le faire, mais ça fait des années aussi qu'il est. Qu'il est en retrait, je pense pas que non plus ce soit la même quantité de travail et le même. enfin euh, Qu'il il avait un rôle plus en retrait, donc retourner au quotidien à faire des journées de, de 25 heures sur 24 pour avancer des négociations, envoyer des offres, euh, gérer, les, gérer les agents, tout ça, peut-être qu'il ne sait plus ou en tout cas il n'a jamais su le faire à, à temps plein. c'est pas le rôle de Favre euh, non plus, c'est euh, pas une vacance, tout simplement, là. La... La partie, on va dire, technique et négociation, il euh, y a les idées, il y a le projet, mais après, il y, y, y a la réalité, il y a la négociation. Et personne, en fait, au club ne peut prendre le relais de, de Julien Fournier là-dedans. Et c'est peut-être pour ça, comme tu le disais, qu'on a fait appel à un, à un gars comme Yann Moody, du coup, qui est agent, ancien directeur sportif, et qui, lui, par contre, voilà, euh, c'est son travail au quotidien, ça l'a été par le passé. Et c'est lui, même si jamais on lui apporte tout cuit une, 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 une piste. Euh, va aller à la négociation et va aller à la signature du contrat. Reste, ah, à... Ouais. Oh. Ouais, reste à savoir si ce Moody remplace euh, Julien Fournier ou euh, est-ce que voilà on, vraisemblablement on est dans l'attente quand même d'un d'un vrai d.s. Ah, voilà d'après la presse effectivement tu fais bien de le préciser il vient comme consultant externe il va être là pour deux mois pour finaliser le mercato et je pense aider aux négociations, aux signatures de contrat le projet étant toujours de remplacer fournier par deux personnes distinctes un directeur, euh, un directeur général et un directeur sportif et d'ailleurs voilà, remplacer Fournier par deux personnes. Est-ce qu'en fait, au final, ça témoigne bien que le mec faisait quand même le boulot de deux emplois à temps plein Donc peut-être que c'est un peu compliqué pour Jean-Pierre River, qui en plus de ça a d'autres attributions par ailleurs, de remplacer, enfin voilà, de, de faire trois tafs du coup en, en, en même temps. Mais encore une fois manque d'anticipation peut-être de dire bah, tu lourdes cette personne-là en plein mercato sans avoir derrière de quoi de quoi remplacer, tu vas être obligé de faire un mercato beaucoup avec des agents, ce consultant externe et d'après RMC, il devrait y en avoir d'autres qui devraient graviter autour de l'OGC Nice dans les prochaines semaines ouais, bah Mais en donc, même sur, temps Vas-y, vas-y, Pantcho Non, non, je, 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 juste, je, je termine euh, et en même temps ce départ-là de, de Fournier je pense que c'était dans les conditions aussi du retour de Favre donc, ce qui est en train de se passer, c'est sans doute aussi une des conditions qui, euh, qui ont fait que voilà, euh, on, a, on a le droit à ce, à ce retour-là. Donc moi, ça me rassure. C'est rassurant de se dire qu'il part maintenant qu'il remplace. Comment on fait pour recruter Est-ce qu'on se base uniquement sur les connaissances de Favre et, et de son euh, et de son carnet d'adresse et du réseau qu'il peut avoir C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et surtout qu'en plus, comme comme je, je disais, euh, ce que tu fais là avec Fournier, euh, tu, tu le sais depuis un mois, entre guillemets, que, mm. que Galtier va partir, que, que Favre va arriver, pour c'est quasi une certitude, je veux dire. Euh, pourquoi ne pas gérer cet organigramme-là Déjà, il y a, y a un mois, en fait, mm. prendre les devants, se dire, tu... Ok, tu es en pleine audit, mais j'imagine que Yann Moody doit être quand même une connaissance, peut-être de, de Brailsford, de Ineos. Je ne je sais, je sais pas du tout, hein, c'est des suppositions, mais mais j'imagine qu'ils ont pas sorti son nom comme ça d'un panier et en disant euh, on va l'appeler. quoi. Je pense qu'il doit, euh, doit avoir des contacts au président. Il, il y a Roy Ogson, hein, l'ancien sélectionneur aussi euh, à l'Angleterre, qui est, oui, voilà, qui, qui est, est passé, ça. qui a peut-être fait par cooptation, euh, suggéré le nom de. De Yann Moody, et puis voilà, c'est un personnage influent dans le football britannique, donc je pense que les, les Radcliffe doivent, doivent connaître aussi. Mais voilà, je te, je te rejoins sur le ouais. point qu'en fait, c'était soit euh, c'était carré et tout le monde partait ensemble jusqu'en septembre pour se séparer, même pas forcément bons amis, ou alors tu faisais la coupe au lendemain de la 38e journée et ça te laissait le temps tout le long du mois de juin de ficeler le, le famoso organigramme qu'on nous a teasé pendant des, euh, pendant des semaines et qui au final n'est toujours pas vraiment. Euh, Toujours pas vraiment fixé comme tu le disais, bah ça, t'imagines que là le gars, donc le gars est pas encore, j'imagine, officiellement arrivé, enfin, du moins, pas encore officiellement annoncé. Donc, euh, on, est, euh, on est début juillet, le, la saison a commencé, on a commencé nos matchs amicaux et on va partir en stage. Mercato a donc, commencé le il y a un va... mois, le 10 juin hein, aussi, on le rappelle quand même, c'est ça. Mais le gars va arriver, donc va devoir prendre connaissance des, des dossiers, entre guillemets, un peu, un peu qui sont sur le feu, quoi, qui sont proches d'être finalisés, j'imagine. Euh, va devoir rattraper un peu le retard auprès des agents, de prendre les contacts, tout ça. Enfin, Là, en l'état actuel, j'ai du mal à voir, euh, à, à voir tout ça se finaliser. Euh, là, on parle de Sommer, on parle de certains joueurs, et sûrement de des joueurs qui sont jamais sortis dans la presse aussi. Mais euh, j'ai du mal à voir comment on peut finaliser des dossiers là, dans, dans, dans les jours qui suivent. Tellement, euh, tellement, qui va les finaliser en fait, c'est ça et en même temps, demain, on peut nous annoncer euh, un nouveau DS et, euh, et tout se débloque. Dans un ouais. monde parfait. <laughs> dans mais un, si monde, crois, dans par un monde parfait. Euh, mais bon, malheureusement, nous, nous, nous ne vivons pas dans un monde parfait à, à l'OGC Nice. On a perdu la finale de la Coupe de France. Euh, Christophe Galtier est entraîneur du, euh, du PSG. Et puis euh, voilà. Et on remarque si on avait gagné la Coupe de France, peut-être que Galtier serait toujours entraîneur de Nice. C'est sûr. Oui. Bon, écoute. Mais euh, ça, ça a pris du retard aussi. Hein. Enfin, je veux dire, euh, je pense que ce n'était pas prévu non plus de se séparer euh, de Galtier. Donc forcément. Euh, euh, tu prévois de, de modifier des choses dans ton organigramme, mais tu prévois pas non plus de, de te séparer de ton entraîneur ou de changer d'entraîneur. Donc, euh, ça met du temps. Je suis d'accord. On est tous impatients. On l'a été aussi pour l'annonce du nouvel entraîneur. On l'est aussi pour le mercato. Euh, mais je reste confiant. Restons confiants, s'il vous plaît. On n'a pas bon, le choix, là, hein, ça, on va se jeter au paillon <rire> directement. <rire> Pour ça, terminer ça. Euh, sur, euh, sur Julien Fournier, donc euh, voilà, forcément, après, euh, tu, vous le disiez juste avant, peut-être qu'en fait, c'est son, c'est son retour euh, dans les bagages de Dineos et de Jean-Pierre River en 2019 qui a un peu marqué le, le début de la fin. Il a été excellent jusqu'à peu près, on peut situer, je ne sais pas, on va dire, au, au mercato d'hiver 2017 où il n'a pas euh, satisfait au, au désiderata de, de, Lucien Favre en ramenant Bassem Srafi et, et Mounir Obadi. Après, ça a été compliqué pour euh, pour voilà remplacer les, les partants de l'équipe de la troisième place. Ça a été compliqué la saison suivante. Du coup, jusqu'à ce départ un peu provoqué euh, par euh, clash avec les actionnaires sino-américains. Et depuis qu'il est revenu, même si évidemment il y a eu des euh, il y a eu des bons coups, hein, on va pas cracher sur le mercato qui a été fait ces ces deux dernières saisons, en tout cas pas sur la totalité. Mais on sent que sportivement, il a du mal à euh, il a du mal à mener à bien ce ce projet. Puis on sait aussi que c'est de lui. Euh, l'homme du choix Patrick Vieira, c'est également lui l'homme du choix Christophe Galtier, des choix qui ont été au final pas très inspirés euh, ces, ces dernières années. Donc, est-ce qu'en fait J Julien Fournier, euh, au-delà au des, des polémiques sur euh, sur les transferts, euh, il y a eu aussi euh, voilà, sa mise en examen par rapport aux transferts douteux à l'OM, hein, qui sont qui intervenu pendant son mandat à GC nice, Mais si on met un peu de côté euh, tout ça, les histoires avec euh, avec Mario Lemina, est-ce que si on reste sur le purement l'aspect sportif c'était pas euh, voilà, pas déjà en, en sursis depuis un moment et c'était déjà pas très inspiré pour lui de, de revenir avec le projet ineos projet dont il n'a jamais vraiment su prendre la mesure ah ben c'est ça hein. je, je pense que voilà c'est je pense que c'est un très 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 bon dirigeant euh, pour, pour pour stabiliser un club hein. on, en est, on en est clairement la preuve on, on l'a dit tout à l'heure mais je pense que qu'il a qu'il est jamais jamais aussi fort que dans un club comme ça où qu'il a besoin de, de, de redresser de stabiliser de d'assainir maintenant après voilà tu son réseau ses, ses connaissances peut-être tout c'est même pas des reproches hein, mais, euh, mais encore une fois peut-être qu'il ne savait pas faire et, et il n'a pas comme tu l'as dit pas pris la mesure du fait de, de franchir ce cap comme on a demandé depuis peut-être plusieurs années je pense que, que Ineos, euh, sans, sans, aucune, euh, sans aucune méchanceté ou quoi que ce soit, a dû lui faire comprendre que voilà c'était peut-être plus l'homme de la situation aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, le problème, c'est qu'encore une fois, il, faut, il va falloir trouver l'homme de la situation maintenant. Parce que je suis d'accord sur le fait que je peux comprendre que, que Fournier ne l'était pas. Mais, euh, mais il va falloir le trouver maintenant, l'homme de la situation, qui, qui est capable de, de faire franchir ce cap. Parce qu'encore une fois... Euh, on a entendu dire de, de, de sa propre bouche que Brailsford, le football, c'était, il n'y connaissait rien. Euh, Favre est pas là pour ça, il n'est pas là pour être un manager général. Euh, et River, euh, River, on sait de quoi il est capable sur des coups, euh, des coups de, de fou, hein, comme on a pu faire avec Balotelli, avec euh, et comme il tente de avec... faire avec hinson Cavani là aussi hein, Ex Exactement. Peut, peut être... mais, mais le problème c'est que le football, le football, c'est pas que c'est pas que ça, c'est plus un à des choses plus intelligentes plus, plus structurées donc voilà je vais, je vais sûrement me répéter mais euh, vite vite un commandant à bord de à bord du bateau parce que là on, on navigue un peu à vue là on va éviter les icebergs pour l'instant mais on navigue un peu à vue là. avant de te passer la parole pancho donc voilà ouais, juste pour préciser euh, parce que bon j'ai fait un giga teasing donc euh, même si je l'ai déjà dit un peu en, en filigrane là depuis euh, depuis le début de cette émission euh, l'ambiance au club aujourd'hui est un peu à la panique, hein, sans, sans exagération, puisqu'effectivement, on se, on se rend compte que ben, Julien Fournier abattait un travail de, de dingue, mais surtout que c'était lui qui était au cœur de, de l'organisation du, du sportif, de, du choix des joueurs jusqu'à la, la négociation. On sait que Lucien Favre, de toute façon, n'est pas un très très grand fan de la... De, de la cellule de recrutement ou en tout cas euh, voilà des idées très très précises de joueurs en tête et ne travaille pas ne travaillera pardon pas forcément autant en symbiose que euh, Julien Fournier le faisait avec euh, bah, les hommes qu'il fréquentait depuis des années et qu'il a choisi pour intégrer cette cellule de, de recrutement euh, voilà des difficultés à faire parvenir des offres y compris à des joueurs avec lesquels l'OGC s'est nice est d'accord sur les termes personnels comme euh, comme Yann Sommer, donc vite, vite, face à cette panique, le système qui semble avoir été choisi et confirmé par, par la presse là, ces dernières heures, euh, c'est de faire appel à des consultants externes, en tout cas à des, des facilitateurs, un peu sur le modèle officieux, cette fois euh, l'année dernière de, de Mino Raiola, qui a quand même aussi permis à l'OGC Nice de réaliser un bon mercato euh, l'année la, la, dernière, avec un peu des, des facilités sur certains dossiers et des, et des priorités. Ben là, disons qu'on va se diriger un peu vers la même chose avec... Peut-être une filière un peu, plus, euh, un peu plus britannique, forcément, puisque c'est Ineos et, et Dave Braceford qui ont repris vraiment la main davantage que, que Julien Fournier sur le, sur le club. Mais sans vous dire que c'est impossible qu'il y ait une officialisation, parce qu'au final, voilà, on est d'accord avec un joueur comme Yann Sommer. Euh, on sait que ça, c'est une idée de de Lucien faf comme pouvait l'être Manor Solomon, donc du coup on sait que si jamais euh, par miracle on, a, on arrive à envoyer un virement, qu'on retrouve les codes d'accès euh, euh, à l'interface du crédit agricole ou alors qu'on retrouve le RIB, on devrait y arriver sans, sans Julien Fournier j'espère qu'il n'a pas changé de mot de passe avant de partir hein. mais, Attention euh... au fax toujours ouais, Attention au fax toujours, est-ce qu'on a payé le forfait du coup à France Télécom pour le, pour le fax, mais euh, blague à part, il y a quand même peut-être moyen de travailler sur un ou deux dossiers mais pour ce qui est de la vision d'ensemble et voilà des, des dossiers peut-être un peu plus internationaux pour lesquels lucien fabre ou, ou jean-pierre river n'ont pas les, les réseaux et ben, du coup ça va passer par s'attacher les services d'agents et de personnes extérieures comme on a le premier nom avec yann Moody. donc euh, voilà désolé pour la, la petite clim, mais le départ de julien fournier n'a pas un impact négligeable même si son rôle cet été devait être minoré, on l'a vu avec les pistes Zagadou, Mandanda, qui étaient très avancées et qui ont été mises de, mis de côté, ben là aujourd'hui on reprend non seulement à zéro au niveau des pistes ceux de, du sportif, mais en plus de ça on reprend même à zéro au niveau de l'organisation et c'est quelque chose qui euh, voilà, va prendre euh, au moins quelques jours ou quelques semaines avant de se mettre en place. On espère quand même que le tandem, enfin le triumphira, pardon, Breathsford River et Favre arrivera sur ses, sur ses réseaux et sur son bagou à à signer rapidement, ne serait-ce qu'un gardien et peut-être un, peut un joueur offensif. Après, le reste, on pourra vo venir voir au, au mois d'août si d'autres euh, si opportunités se libèrent, sachant qu'en plus, les premiers noms contactés par ce triumvirat n'ont pas non plus accueilli euh, l'opportunité de signer à l'OGC Nice avec un enthousiasme débordant. Donc euh, voilà, si on a une piste B ou C sur certains joueurs, ça peut être aussi se débloquer dans les prochaines semaines. Pour faire juste une petite parenthèse, j'ai vu tout à l'heure un, un tweet de, de notre ami Alex de Castro, qui s'était apparemment un peu renseigné sur Yann Moody, dont on n'avait pas trop euh, d'informations, et qui disait que voilà, apparemment, euh, il a quand même un, une, une assez bonne réputation sportive euh, en Angleterre, qu'il était francophone. Je ne sais pas si on, on avait cette information euh, non, à, à ce, ce niveau-là, mais voilà, apparemment, voilà, c'est avec... un gros. Ça. Il a, il a apparemment un, un très gros réseau sportif. Il parle français. Il travaille en indépendant, comme on l'a souligné par rapport à, à sa boîte. Et, euh, et voilà, une belle réputation en, en Angleterre. Donc, euh, voilà. Il a notamment fait euh, euh, les, 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 belles heures de, les belles heures de Crystal Palace, hein, de Watford avant, mais on sait que voilà la filière, notamment belge, qui avait à une époque à, à Crystal Palace, voilà, les, les meilleures heures du club avant la signature de Patrick Vieira Donc, <laughs> pardon, c'était gratuit. <laughs> mais bon, voilà, on a, vu qu'on a, euh, a stalké son, son compte Twitter dès l'annonce de. Dès son annonce, euh, l'annonce de son arrivée hier, on a s'est aperçu qu'en fait le dernier partage qu'il avait c'était sur pour souhaiter un bon anniversaire à Patrick Vira Donc voilà, le petit clin d'œil euh, du destin, le, le karma là qui, qui fait un peu qui fait un peu mal quand même, mais bon c'est pas grave. Voilà, c'était juste une petite parenthèse comme j'avais vu passer l'information de de Alex de Castro, je, je souhaitais la partager. C'est si un c'est un, un agent et un, un directeur sportif bien installé qui voilà va pouvoir rapidement activer ses réseaux, mais peut-être voilà un mercato avec une, une couleur particulière en fonction de ces des réseaux qui existent déjà et notamment, notamment en, en Angleterre. Pancho, pour, pour le mot de la fin, du coup, comment tu vois ces, ces, ces prochaines semaines à la lumière bah, voilà, de du flou artistique pour, pour rester mesuré qui, qui règne actuellement au sein, au sein du club est-ce que pour toi eh ben, tant pis il faut prendre son mal en patience et on a prouvé notamment avec lucien favre lors de sa dernière arrivée qu'on pouvait faire une excellente saison en faisant le mercato uniquement au mois d'août ou, ou presque ou est-ce que pour toi ça annonce déjà une énième saison de, de transition et puis, euh, et puis ça, ça risque ça compromet même éventuellement nos chances de qualification européenne cette saison? Bah déjà, je, je pense que si tu prends l'effectif aujourd'hui sans recrue, il y a quand même des joueurs de qualité. Ça manque peut-être de profondeur et, euh, et, et de qualité sur certains postes. Mais malgré tout, il y a une partie de moi qui me dit que Favre, avec les joueurs qu'on a là, il saura en tirer le maximum. Parce que lorsque tu regardes la compo en 2016-2017, qui aurait imaginé qu'un Paul base sorte, sorte une, une saison comme ça qui aurait imaginé qu'un qu'un Pléa se révèle sous euh, sous Favre euh, personne. Donc j'attends de voir aussi avec les joueurs en place. Peut-être qu'on va avoir de belles surprises. Oui. Après, par rapport au recrutement, là c'est le flou. Mais moi je, je suis un optimiste. Il en euh, faut au moins un dans cette émission. J'y crois. <laughs> c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Je le conçois bien. Mais ce qui me rassure, c'est que Favre. Encore une fois, je me répète. S'il est revenu c'est qu'il savait comment ça allait se passer d'une certaine façon. Il, il le savait, et il n'est pas revenu comme ça, les mains dans les poches, cool, Nice me veut. Il a dit lors de sa conférence de presse, Ineos est en train de monter un gros projet, là on est un peu dans le flou, c'est normal, un type qui était là depuis plus de 10 ans part, il faut se restructurer, on va se restructurer, on va recruter des joueurs et on va faire une grande saison. Voilà. Bon, très bien, restons sur ces mots positifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce, en ce moment et sans céder au catastrophisme, je pense qu'on cède tout simplement à l'impatience euh, inhérente à notre passion de supporter. On a hâte que la prochaine saison commence. On a été en plus sevrés euh, de, du premier match à... Amical, on espère que celui ce week-end face au cercle aura lieu. Naturellement, vous nous retrouverez en cas de match pour faire un débrief sur cette, sur cette rencontre. On parlera aussi forcément des dernières infos Mercato, parce qu'on ne doute pas qu'il y aura des nouveaux noms qui sortiront, qui sortiront d'ici là. Bon, forcément, un petit des petits imprévus de planning comme aujourd'hui, si jamais il y a une nouvelle majeure dans l'actualité de l'OGC Nice. Et puis ce soir, c'est de toute façon Nissa Manager sur la chaîne Twitch de Sports Content FR. Si vous écoutez ça avant 21h, vous savez, vous pouvez vite vous connectez et si jamais vous écoutez ce podcast euh, le demain matin ou dans les jours qui viennent eh ben c'est à retrouver sur la chaîne YouTube toujours de Sports Content et également du club Pancho pour nous écouter si vous le faites là actuellement je pense que vous savez où nous trouver mais si vous souhaitez vous abonner et ça ça nous fait toujours plaisir ça nous permet un peu de capitaliser sur votre confiance et votre fidélité vous savez que vous pouvez vous abonner déjà à la chaîne YouTube encore une fois mais aussi à Apple Podcast à Spotify et également via l'application One Football gratuite généraliste sur l'actualité euh, du foot que, euh, voilà, on va vous laisser euh, dans, euh, voilà, le lien de téléchargement dans la description de cette, euh, de cette émission. Messieurs, Merci beaucoup. On en reparle très vite. De toute façon, ça n'arrête pas autour de l'OGC Nice là ces dernières ces dernières semaines. Moi, je sais pas si c'est parce que je me fais vieux, mais en fait, j'ai l'impression que depuis euh, un mois et demi, euh, il s'est passé six mois en fait. Là, c'est euh, <laughs> ah, euh, voilà. deux doigts de tout perdre je peux de depuis... voilà. ouais, <laughs> Bizarrement, la même blague <laughs> nous est venue à l'esprit, mais, euh, <laughs> mais voilà. Notez que Brice lui a préféré Rashquit avant de voir l'étendue des dégâts. Hein, tu vois, ouais. il abandonne, le, parce na que le, abandonne le, le navire en plein. Euh... <laughs> <laughs> Tout... Voilà, en plein mercredi. Il a même pas dit au roi Morgan quoi. Putain, non, c est c est Exactement, mais bon, le roi Morgan est toujours là dans son magnifique costume blanc au mariage de Jean-Claire Todibo euh, voilà. qui on souhaite ça. beaucoup de vœux de, de bonheur. Messieurs, merci beaucoup, à très vite, et puis, euh, bien entendu, Issa Nissa